Les TP Hangar Avion se destinent à tous les étudiants de licence, licence professionnelle et licence 3, donc ils sont destinés à un cycle de 5 ans pour accéder au bac plus 5. Un TP est prévu sur un des deux Cessna, le 303 ou le 310. Il a pour but de tester les instruments anémobarométriques, anémomètre, altimètre et variomètre à l'aide d'un banc d'essai utilisé dans l'industrie de maintenance aéronautique. Sur l'aéronef, donc Cessna 310 qui est juste derrière moi, un autre TP est organisé pour initier les étudiants de licence professionnelle et de licence 3 également, de navigation VHF et UHF, notamment en utilisant les bancs d'essai pour l'utilisation du VOR, ILS en VHF et DME transpondeur lorsqu'on utilise un banc d'essai en UHF. Un autre TP est également organisé pour les licences qui va consister à initier et familiariser les étudiants à ce qu'on appelle le troubleshooting. Donc ça consiste à générer une panne des instruments avioniques qu'il y a dans le cockpit. Donc on va générer une panne et les étudiants vont devoir utiliser les bancs d'essai et la documentation IPC, AMM, le TSM, le Troubleshooting Manual, pour identifier l'endroit où se trouve une panne. L'ensemble de ces TP a pour objectif d'initier les étudiants à l'utilisation du matériel de navigation aéronautique et de les sensibiliser à la réparation en cas de panne.